À l'approche des 50 ans, chaque patient qui n'a pas de symptômes va recevoir une lettre l'amenant à retirer un test de dépistage. Ce test de dépistage est à retirer auprès de son médecin traitant ou de son gastro-entérologue. En cas de symptômes, digestifs, saignements, modifications du transit, douleurs abdominales inhabituelles, il est préférable de consulter son médecin traitant, voire un gastro-entérologue, pour voir s'il est nécessaire de faire le test ou bien de réaliser une coloscopie. Ce test, depuis 2015, est plus fiable, plus performant et surtout plus simple. En effet, il ne suffit que d'un prélèvement de sel afin de permettre le dépistage. Ce test est positif dans 5% des cas et dans ces 5%, seule la moitié vont avoir des lésions, soit des polypes, soit même des cancers. Mais je rappelle que le cancer colorectal, pris à temps, peut être guéri dans 9 cas sur 10.